l'été 2018, Kanata, une création théâtrale du Théâtre du Soleil de Robert Lepage, déclenche une polémique. 6 mois plus tard à Paris, le rideau se lève sur Kanata, épisode 1, La Controverse. La création originale est réduite à un acte et plus de la moitié des personnages ont disparu. Lepage au Soleil retourne à l'origine de ce spectacle. Le Théâtre du Soleil, c'est une troupe de 26 nationalités. On est plus 35 en scène. Dans le spectacle, à peu près tout le monde joue un personnage qui n'est pas de sa culture, qui ne parle pas sa langue maternelle. La plume. La plume, faut que tu le jettes, lui. Voilà. Samir va faire Georges IV. On s'est embarqué dans un projet. Tout à coup, la langue est très importante parce que ça parle beaucoup de la perte d'identité du monde amérindien, mais aussi de la perte d'identité de façon générale plus on avance au 21e siècle. Donc, ça fait un peu peur comme ça parce que c'est un énorme défi, mais c'est là-dessus aussi. Le spectacle parle de ça. Mon arrière-grand-mère était indigène au Brésil. Quand Robert nous a présenté les projets, j'ai dit oh, « je reviens ici pour retrouver mes origines, en fait, aussi ». Le prétexte qu'on parle du parcours des Autochtones, c'est un prétexte pour qu'ils parlent d'eux. Je suis arménien. Mon grand-père était un rescapé du génocide. Donc, quand je vais jouer une tragédie d'un enfant orphelin amérindien, c'est ma propre histoire de mon grand-père, des Arméniens que je vais jouer. Et c'est ça, le théâtre. C'est aller vers l'autre en s'appropriant son corps, sa culture, son costume et se reconnaître dans l'autre. I'm a survivor. I come here. So you can hear my voice. When you guys do your play from all areas of where you're from, carry my voice for me.